Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, nous accueillons sur le plateau le député, le jeune député Caleb Desrameaux pour commenter l'actualité. On sait que l'Assemblée nationale doit avoir lieu aujourd'hui. C'est évidemment la première question qu'on aura donc à poser à l'invité. D'abord, monsieur le député, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendel et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio Télé Métropole. Bien sûr, je suis à une station de radio et télé. Je suis chez moi, même s'il y a la casquette de député ces derniers temps, mais je reste encore un homme de médias. Oui, je vois que vous continuez à participer à votre émission matinale. Pas avec autant de fréquence, pas avec autant de fréquence, parce que maintenant, l'occupation de député, ça demande vraiment d'engagement, ça demande vraiment de responsabilité. Et en ce sens, bien sûr que je passe un peu souvent, mais je sais qu'à partir de certains moments, la présence va être encore moins fréquente. Et pourquoi les habitants de Tabar vous ont voté? Ah, c'est une grande question. Alors, déjà, je peux dire, je suis un produit de Tabar. 31 ans à Tabar. Je l'ai dit en campagne, j'ai vécu le passé de Tabar. En 30 ans, ça dit beaucoup. Je vis l'actuel de Tabar. Et je sais aujourd'hui, s'il faut parler des perspectives de Tabar, je dois participer à ces perspectives. Et qu'est-ce que vous avez promis à vos mandants? Oh, alors, prenons un cas. Tabar est à environ 5 à 10 minutes de l'aéroport. Tabar est... L'aéroport fait partie des ressources de Tabar. Mais aujourd'hui, l'investissement public à Tabar, c'est presque zéro. On a la mairie. La mairie, c'est très pauvre. On a un bureau de la Direction générale des impôts. C'est très bien. Mais maintenant, l'investissement privé, la part de l'État. Tabar aujourd'hui, c'est quand même... Tabar doit être une expérience pilote. Aujourd'hui, les grandes multinationales du pays, je peux dire une grande partie des grandes multinationales sont à Tabar. Donc ça dit déjà qu'il y a une importante part de l'investissement privé à Tabar. Maintenant, si nous parlons de partenariat public-privé, pourquoi il y a autant de l'investissement privé? Et l'investissement public n'y est pas. Moi, comme député, je m'engage justement à aller me battre au Parlement et à aller me battre face à l'exécutif pour qu'il y ait de l'investissement public à Tabar. Et l'investissement public veut dire beaucoup. La santé, l'éducation, donc tout ça, les infrastructures, tout ça va être justement mon argument au débat à l'Assemblée des députés et aussi à l'Assemblée nationale. Ça, c'était pour vous introduire, Caleb Desrameaux, député du peuple. Maintenant, plaçons l'émission dans son contexte. Vous êtes censé, je dirais que la rentrée parlementaire devait s'effectuer depuis le deuxième lundi de janvier. Et c'est aujourd'hui qu'on a finalement pris la décision de tenir cette Assemblée nationale. La question, pour qui ça c'est aujourd'hui, hein? Est-ce que nous avons des inquiétudes? Tu m'as rapidement dit aux auditeurs et téléspectateurs de Métropole que après Poznan, il y a bien possibilité d'exprimer appréhension par rapport à la nouvelle qui a circulé dans la rue, hein, par rapport à ça qui a dit. Je suis bien content de gagner en face moi un habitué de la caméra et du micro et qui aujourd'hui s'est invité et en même temps qui s'est député. Je suis une partie dans l'auditeur et téléspectateur. Et même j'entoure avec Moun Tabar sur les relais et tout. Je suis capable de faire ça tout de suite après Poznan. Ouais. Mais, d'entrée de jeu, pour qui ça, c'est aujourd'hui, hein, nous-mêmes, députés et sénateurs, nous décidons de faire cette séance-là, à l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs moments qui expliquent ça. Alors, l'Assemblée nationale qu'a fait Jodia, l'Assemblée nationale répond à l'article 54 de la Constitution 1987 amendée. Il faut l'Assemblée nationale pour ouvrir la session législative. C'est-à-dire, nous prêter serment nous-mêmes le 10 janvier. Le 11 janvier, c'est la rentrée parlementaire. Maintenant, pour qu'il y ait rentrée parlementaire, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait un bureau, chef de député, et bureau Sénat rassemblé pour faire. Le 11 janvier, élection bureau dans la chambre de député finit le mardi à 2h30 du matin. Donc ça veut dire déjà nous passer ça. Avant, nous avons commencé depuis le matin.
Non, nous commençons le travail dimanche. Non, dimanche, nous prêtons serment. OK. Nous faisons prêter serment et puis tout député rentre la caillou. C'était une surprise pour un peu le monde parce que pas attendu à alors, ça. Alors, c'est monde pas attendu à ça, mais écoute, s'il y a la rentrée parlementaire, ça veut dire déjà, dans lundi, lundi n'a pas entré dans le Parlement, il faut être déjà député. Mm-hmm. Donc, il faut que tu aies un événement qui fait nous députés. Mm-hmm. Maintenant, pour un événement qui fait nous députés par rapport à lundi, par exemple, le président Richer dit nous ça hier dans l'échange que nous avons avec lui, il faut que tu aies lundi à 7h du matin. Mm. Faut ta faire prestation de serment lundi à 7h du matin et puis à 11h pour nous faire élection bureau et puis vers 4h pour nous faire assemblée nationale. Mm-hmm. Maintenant c'est un peu ça. Nous pas de café tout ça. Donc c'est pas une sorte de chose sourire ou bien une cérémonie champouelle que nous fait les tout le monde dit dans dimanche ou nous bien sûr faut faire une cérémonie qui dit nous c'est des parlementaires assermentés. Nous faire et prestation de serment nous pouvoir nous valider et puis dans lundi nous entrer dans le Parlement comme député. On a l'article 104 là qu'on est là. Article 104 là c'est dit ouverture session. Maintenant ce qui arrive que nous t'ai prêté serment que nous t'ai prêté serment le 10 ça pas ba nous toute attribution de député nous et même sénateur tout 14 sénateurs il pas ba toute attribution de sénateur. Il faut l'Assemblée nationale pour ouvrir la session législative. Maintenant une question de timing là-dedans. Parce que j'ai un sénateur privé dit, nous faisons un pile rencontre sur ça. C'est le président Chancy rencontre avec un pile sur ça. Il faut qu'on timing pour le fait. Maintenant, je dis, nous arrivons dans le timing. Deux présidents bureau entendu. Et puis, à 11h, nous allons gagner l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale veut dire automatiquement l'Assemblée nationale la fin fête. Ça veut dire, je dis, moins son député qui pleinement intégré, qui pleinement institué. Mes actions de député pour le commencer exactement l'Assemblée nationale l'a fini. Est-ce que c'est en prévision du 7 février que nous décidons de faire? Oui, il n'y a qu'à ça. Alors, l'homme dit ça, c'est parce que s'il est supposé faire le deuxième lundi de janvier, il n'est pas de fête, et il y a une pile nouvelle qui a circulé dehors, que parle gain des ordres, parle gain l'orbeille, 7 février, est-ce que c'est un genre pour essayer de contribuer à résoudre le problème qui gagnait, je dis, que nous décidons que rentrer parlementaire là effective ou bien officialisée en fait? OK, là Wendell n'a pas de l'État, n'a pas de l'État, n'a pas d'institution, n'a pas de structure. Quelque part faut nous protéger institution yo, faut nous protéger structure. Parti politique yo, c'est des institutions et c'est des structures politiques que yo et tout. Maintenant au niveau du service public, Jean professeur Doval t'a parlé dernièrement là et Jean Maître Stanley Gaston t'a fait hier sur Télémétropole là. Bien content moi, son bon auditeur et téléspectateur régulier. Baka manquer à ça, baka manquer à ça. Maintenant, nous pas quel que soit monde jodi a qui dans l'opposition, c'est des hommes d'État que ont été déjà. Dans pile dans l'opposition, c'est des hommes d'État que ont été. Et moun sa yo si nous entrons dans un discours franc, dans un dialogue franc avec yo, yo pas pour kao l'État. Maintenant, la fin de mandat d'après, mais bien peu c'est soit dire député non ben entre nous bon prendre des exemples. Ça veut dire vous pensez sénateur Maurice Jean-Charles capable lever la voix dire la craser l'État sénateur il me dit on avance toujours non bon exemple ah, ben bon exemple ma boyon tout lorsque un homme de l'opposition par exemple ou après c'est justifier la violence dans les rues casse qui a fait machine qui a brûlé etc ou dit que son réponse qui baille à la violence. Est-ce que c'est normal? Mais pas qu'un État qui a institué violence, pas qu'un État qui a toléré violence. Humainement, en tant que monde à monde, nous pas qu'à instituer la violence. Maintenant, ça qui arrive dans la bataille politique, là, moi, pour notre bataille politique, là, son bataille de force que lié, son bataille de force, son bataille, c'est bataille pour pouvoir lié, bataille pour pouvoir, c'est pas jouer d'innocent, bataille pour pouvoir gagner point yet. Mais qu'on y a un côté rivé, il faut qu'il y ait éthique là-dedans. Faut nous faire le monde à monde. Depuis nous vivons dans la violence, c'est l'extrême. Donc, moi-même, c'est pour me dire. Il faut sauver l'État. Il faut sauver l'État. Okay. Il faut sauver l'État. Et je dis à président Michel Martelly, qui va être Michel Martelly, ou bien ex-président Michel Martelly, le 7 février, président Michel Martelly, pas représenter l'État dans son ensemble. Par exemple, l'administration Martelly, son administration qui était dans l'État. Après la fin du mandat de Martelly, l'État a continué à exister et il faut que l'État continue à exister. Maintenant, je ne peux pas prendre les 5 ans de Martelly pour me dire que je vais casser l'État avec elle. Les 5 ans de Martelly, les 5 ans couverts, les demi-vides, les demi-pleins. Moi-même, quand j'ai l'opposition, je vais garder VA dans le niveau vide, et bien l'autre monde, je vais garder le niveau VA demi-plein. Donc, ça ne veut pas dire parce que moi, je suis défaite. Michel Martelly, ou bien m'accepter Michel Martelly, son défaite pour me couper le bras de l'État.
Après 5 ans, Michel Martelly s'en va et la nation continue. Mm-hmm. Et si la nation doit continuer, l'État doit exister. Donc là, tu aimes bien comprendre que l'initiative là, c'est pour en fait, gagner des décisions qu'il prend au niveau du Parlement pour éviter le chaos. Oui, écoute, déjà, on n'a pas eu de l'État. La Constitution 1987, là, qui avait la Constitution amendée, et nous connaissons le début de l'école, il y a trois pouvoirs qui gèrent l'État. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. La Constitution 1987 amendée retirer le pouvoir judiciaire là de l'administration directe de l'État. Maintenant, le judiciaire là, pour protéger la loi. Mais c'est le législatif là qui bat la loi et c'est l'exécutif là qui propose. Et c'est lui-même tout quelque part à un certain moment où le judiciaire attend de l'exécutif là. C'est la dynamique de l'État aujourd'hui qui a développé. Maintenant, là nous arrivons dans ça, l'exécutif menacé après le 7 février. L'exécutif pourrait le menacer. Parce que le mandat de Michel Martelly pourrait le finir. Si le mandat de Michel Martelly finit, ça veut dire l'exécutif menacé. Michel Martelly n'est pas là comme président. Premier ministre qui est là, son premier ministre démissionnaire que lié. Mm-hmm. Depuis le nouveau décembre, le 10 janvier, premier ministre Evans Paul démissionnaire. Mm-hmm. Maintenant, ça veut dire ou vous avez un exécutif qui est très fragile. Législatif là avec l'exécutif là, c'est eux qui gèrent l'État, souveraineté l'État. Maintenant, il est clair, et dans les négociations que fait yo, on croit toute la presse et l'opinion contre ça. Président Chancy avec président Brivert, yo fait 3 à 4 jusqu'à 5 rencontres avec président Martelly dans un palais national ou quelque part. Yo a regardé comment yo même comme des hommes d'État, yo doué gérer l'État après le mandat de Martelly. Mm-hmm. Il est clair dans les négociations yo et même par rapport à la constitution, le 6 février à minuit, président Martelly a fait une adresse à la nation. Le 7 février dans matin, président Martelly parle encore. Maintenant, le 6 février, président Martelly a fait adresse à la nation, hein, l'a fait en présence de présidents. Mm-hmm. Et deux présidents qui vraiment participé dans la souveraineté, yo même. Et pour que ça c'est l'ennui. Alors, c'est pas l'ennui, 7 février. Oui. Pouvoir attendre de finir à minuit, c'est 7 février à minuit. Mm-hmm. Mais généralement, nous commençons à faire, c'est 7 février dans le matin, passation en fait. C'est ça, me dérange. Maintenant, avant 7 février, depuis minuit, président Martelly a fait adresse là. C'est un peu ça que tu es programmé. Maintenant, le fin fait, deux présidents recevoient, pas démission, recevoient adresse que président Martelly constaté, mandat fini. Donc, il faut que deux présidents rejoignent l'Assemblée. Mm-hmm. D'où la nécessité, le 7 février, pour une Assemblée nationale. Ça quoi dit dans l'Assemblée nationale là? Ça quoi dit dans l'Assemblée nationale là? C'est ça qui dit dans l'article 59 là. Qui ça le dit? Et qui dit dans l'article 59 là? Et qui dit dans l'article 98.3 dans la Constitution 1987 amendée? On allait rapidement dans l'article 98.3 que un pile monde connaît. L'article 98.3 li traité de attribution à l'Assemblée nationale là. Moi pas pli tout. Un pile monde gè Constitution. On va aller dans point 8 là. Qui t'a point F ou m'a songé ça lié dans alphabétiquement, mais numérique c'est 1, 2, 3, 4 lié. Point 8 là dit les attributions de l'Assemblée nationale au point 8 est de son ou l'attribution de l'Assemblée nationale, c'est une moins point, est de concourir à la nomination d'un président provisoire conformément à l'article 59 de la Constitution. Mm-hmm. Maintenant, que dit l'article 59 de la Constitution? Mm-hmm. Parce que c'est quand même une institution pour nous aider. Ouais. N'importe qui, ça y est. Même si nous avons une crise, il faut quand même, si nous avons fait compromis, nous ne pouvons pas prendre la Constitution en chita sous lit. Mm-hmm. Même si nous avons fait compromis, il faut nous garder au moins qui lumière la Constitution en cabanou. Maintenant, l'article 59. L'article 59, c'est un article qui est en trois paragraphes. Mm-hmm. Il est en trois paragraphes. Maintenant, dans le cas qui concerne nous, hein, l'article 59 commence par « En cas de vacance de la présidence de la République, soit par démission, destitution, décès ou incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre exerce le pouvoir exécutif jusqu'à l'élection de notre président. » Bon, le Conseil des ministres, c'est le Conseil de gouvernement que lié qu'on y a. Mm-hmm. Nous pas même besoin d'entrer dans tout ça. Mm-hmm. Mais le Premier ministre qu'on y a là, son Premier ministre démissionnaire déjà. Donc ça veut dire situation par là, les vignes un peu compliquées. Mm-hmm. On a allé dans le troisième paragraphe là, parce que deuxième traité de scrutin. Troisième paragraphe là dit, dans l'article 59 là, dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, l'Assemblée nationale se réunit d'office dans les 60 jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau président provisoire de la République pour le temps qui reste à courir. Mm-hmm. Maintenant, il ne s'agit pas des 4 ans de président Martelly. Mm-hmm. Mais moi-même,
non appréciation parce qu'on est parlementaire et en pile la parlementaire alors, côté nous est là côté nous est là oui dans face nous est là aujourd'hui hein il pas de prévoir dans la constitution ou d'accord il pas de prévoir mais alors de fait le 7 février OK donc là place fait... présidentielle là à vide OK d'où vacances OK et mais on pas parler de mandat qui on pas parler de fait mandat ou juste dit que à bon vacances. De fait, à bon vacances. Et alors, constitution okay. Pas prévoir fin de mandat. Pas de problème, pas de problème. Mais Mandeli consommer les 4 ans mais et Mandeli a consommé les 5 ans. Mais nous d'accord, il a jusque là. Oui. Mais maintenant, est-ce que dans la constitution, il dit qui côté pour le jeune président? Il pas dit qui côté pour le jeune président. Voilà. C'est à ce niveau-là qu'il s'agit maintenant pour nous faire une sorte de. Comment on a dit ça? Pour nous faire une sorte de compromis ensemble, pour nous chiter à son dialogue ensemble. Et dans le dialogue, ça, il faut nous quimber la Constitution et nous quimber les forces vives de la nation. Donc, maintenant, là, samedi. Nous déjà, avant l'Assemblée nationale, nous déjà entendons son formule de gouvernance et, après 7 février. La machine, l'ordre par rapport à la Constitution. Président provisoire qui va l'installer, a voulu dire, président Sali, même, il va entrer en consultation avec deux présidents chambres pour le choisir un premier ministre. Et le premier ministre pour aller suivre, court premier ministre doit suivre là. Et le premier ministre, ça, le fin joint le mandat du Parlement, il va remplacer le premier ministre Capé dans la primature. Ça n'empêche pas, exemple, tout le monde Capé pour faire élection. Comme c'est politiquement. Comme ce n'est pas grand pile temps. Non, politiquement. C'est bataille pour pouvoir lier. Parce que nous avons une crise là, la crise électorale, son crise politique liée. Mais même ça, je l'ai dit tout le monde, et comme parlementaire, la crise électorale n'a pas résumé le fonctionnement de la nation. Moi-même, je pense mal. Mais c'est comme ça nous fait, lui? Si nous faisons comme ça, malheureusement, et nous pas arrêter comme ça. Je dis à Wendel, ma bon exemple. Nous dit l'État d'Haïti, le monde est un petit village planétaire. Pour me sortir, m'habiter tabac. Pour me sortir tabac, mal savanette, ça prend environ 1h30. Mais route savanette là, 1h30 ça, bien moun si m'a fait la veille, ou un gros terrivé, falaise à cabaret, tête virée. Mais je dis à moi qu'à sortir Miami Malbo Caraton sans problème moi qu'à sortir Miami Mal Orlando en 3-4 heures et puis je dis à pour me sortir Port-au-Prince Malo Cap Haïtien son tête fait mal lui maintenant vous prenez exemple ça seulement Jacmel la caille nous parce que Jacmel c'est pour tout haïtien bon l'homme monde sortir Carrefour du Fort pour arriver à la banquier combien pour de lumière ou est sur route là si c'est de l'état n'a pas il n'a pas de service l'état moi prendre exemple là pour exemple même bagala mon au cap haïtien moi sorti enri m'ai pral au cap mes amis pile monde ça qui porte lumière ou est sous lit donc ça veut dire on n'a pas de l'état je dis on a parlé de service non est-ce qu'on a pas seulement conquête pouvoir est-ce qu'on a pas de l'état qui sont de service on l'état qui pas à la hauteur ou bien on l'état qui en faillite mais m'pas qu'a dit son l'état qui en faillite moi même m'te dit la campagne m'a continuer dire son leçon que m'apprendre. Le 12 janvier 2010, mettez pays à nos double dynamique. 12 janvier 2010, il y a une institution qui crase, faut nous reconstruire. Il y a une institution qui pas existé, faut nous construire. 12 janvier, c'est une opportunité que lié. Et jusqu'à présent, nous avons le timing 12 janvier. OK. Et Caleb Deramo, on pas ça va déranger si m'a dit député. Non, Caleb Deramo, il va changer. Député c'est okay. Pour 4 ans ou bien pour l'autre temps encore. OK. Bon me dire un bagage. Et jodi là dans le moment qu'on a parlé là que n'a parlé là grand pile haïtien qui grand pile cœur sauté grand pile monde qui dit qui a envisagé pour est-ce que pas ta quitter capitale là par exemple aller en province aller passer vacances ou bien pas vacances non aller quitter 7 février en fin de basse après ça y a retourner si possible mon connaît grand pile zanmi qui obligé pour aller à l'étranger avec toute famille y a retourner le 10 le 15 si pays a pas gain l'obel là dans pas gain des autres est-ce que d'après vous même solution que vous autres parlementaire, nous pas envisager, je dis à la, il y a de nature à permettre population rentrer dans la rue, rentrer la caille, sortir dans la rue. Est-ce que ouais, ou prévoit la paix, le calme, la sérénité après 7 février, avec solution que nous pas proposer nous-mêmes. Ok, bon me dire. Oui, il y a une agitation. Oui, il faut le calme des esprits pour la société à continuer à fonctionner. Le Parlement, non, mais on dit, pas oui, seul, il faut. Oui, il le faut. C'est tout comme un souhait. Non, c'est un devoir. C'est un devoir pour moi, comme homme d'État, aujourd'hui. C'est un devoir pour responsable, pour leader politique, aujourd'hui, qui c'est des notables dans la société. C'est un devoir pour nous chaque. Maintenant,
Parlement n'a pas de solution pour contre lui. Tout le monde connaît ça. Parlement n'a pas de solution pour contre lui. Parlement, mais, c'est qui s'allie. Parlement, je dis. Très mosaïque, je dis. Non, très mosaïque. On dit le niveau politique, mais pas comme parlementaire. Nous tous connaissons, nous 92 députés à connaître. Nous venons travailler pour la société. Les grandes questions que la société a besoin de débattre dans le Parlement pour le faire. Je dis à Abricot qui n'a pas de service, c'est député Abricot pour faire. Tabac n'a pas de service, c'est député Tabac pour faire. Cité Soleil qui est en Italie, c'est député Cité Soleil pour faire. Mais on ne peut pas prêter à faire une loi du tout, non? Non. C'est loi, c'est ça qui est intéressant. Wendell, on ne parle même pas là pour produire loi, produire loi, produire loi. Non, puis loi qui a dans le Tiwak pas jamais appliqué. Il ne faut pas le râler autour pour faire ou appliquer. Donc, il y a ça là-dedans. Ça ne va pas dire pour parlementaire, c'est la loi pour venir. Gon paquet loi nous gen là, on prend exemple la constitution, mais nous j'aime chita pour regarder est-ce que comment on applique constitution hein? Ou est-ce que dis dans le cas de 7 février qui sa constitution en bas nous te gen premier parti de monde qui vini avec l'article 58 gen je dis à nous en face l'article 59 parce que nous pas qu'à faire exécuter ça fonctionner avec un premier ministre seulement, il faut un président et maintenant c'est question de transition ou pas. Moi même moi pense j'aime dire nous pas de monde dans la rue, monde dans la rue. C'est foule là qui est dans la rue, mais foule là qui a des têtes qui mènent. À un certain moment, foule là pas une personnalité, foule là qui a fait n'importe quoi. Mais moi-même, moi connais les foule là prend la rue, il y a des leaders là-dedans. Leaders ça c'est des responsables qui ont. Je dis à Parlement, immédiatement après le 7 février, Parlement ou tout au monde depuis Assoya, Parlement supposé commencer chita pour parler avec force vive nation, pour parler avec Jude Célestin, pour parler avec Jovenel, pour parler à G8. Pour parler avec les groupes religieux, pour parler avec les protestants, pour parler avec les catholiques. Maintenant, tout le monde sait, c'est eux qui font vivre la nation. Mm-hmm. Ça fait qui ça, de jeudi soir à samedi soir, nous chitons ensemble pour nous garder qui ça nous a fait. Le premier problème, c'est politique n'a pas parlé. Nous avons besoin de président provisoire, pour aller au premier ministre, pour aller au cabinet ministériel. Mais tout le monde qui est dans la politique, c'est pour pouvoir nous gommer. Nous prenons le chiter ensemble pour nous garder. Comment nous avons fait de trois personnes participer dans la gestion administration pays là. Et gestion administration pays, ça, là, nous avons un mandat. Nous comptons ça pour nous faire. À un certain moment, nous pouvons mettre le pays à continuer à fonctionner à la normale. Merci, Caleb de Hameau. On dit ce qu'on homme d'État. Mbappe dit que son politicien. Mais Mbappe arrive à tout, non? Mais c'est possible. Non, c'est très possible. Ça, non, alors l'homme dit ça, moi je dis que. Ou gagne un discours de un homme d'État. Oui. Mais combien nous gagne, je dis, en Haïti? Oh, ben, ils sont nombreux. Misez sur ça. Eh bien, très bien. Très bien. Nous parlons qui ça va passer dans les prochains jours. En tout cas, on nous est après posant avec le public noir, qui ça y a espéré même. Pas de Caleb de Rameau. Non. Mais qui ça y a souhaité de ces hommes d'État que nous gagnons, je dis. Ces hommes et femmes. Parce que il n'y a pas de fille. Mais au niveau de l'État, je veux dire, il y a des femmes. Là, son problème, là son problème que n'y a pas de femmes dans le Parlement. Société et, qui est responsable. Ça, mais voilà, donc nous avons de graves problèmes de société pour nous adresser tout, pour adresser oui. Tout, pour nous résoudre tout. En tout cas, avec le public, nous parlons aujourd'hui, là, qui ça va espérer, qui ça va attendre. Mais s'il vous plaît, nous croyons que chaque monde est capable seulement d'intervenir pendant une minute, juste pour nous permettre plus de monde participer dans l'émission ça, qui est spéciale, je veux dire, spéciale pour deux raisons. C'est un jeune député que je reçois sur le plateau. Et deuxièmement, c'est un professionnel de la caméra, un confrère. Bon, voilà. Oui, tout simplement. Donc, voilà. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité aujourd'hui, Caleb de Rameau. Merci de votre intérêt. Alors, le député Caleb de Rameau, merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le député Caleb de Rameau est notre invité ce matin. Alors, on dit que l'auditeur est capable de briller nous. Il y a deux numéros qui sont capables d'entrer en contact avec nous. 28 16 52 52 ou bien 37 02 20 21. Nous parlons de politique avec le public métropole. Là. Oui, il le faut. Avec le public le matin. Hein. Et puis, s'il vous plaît, je vais vous donner une très longue intervention. Yo. Et puis, je vais vous donner obligé à envahir avec questions. Ce n'est pas l'objectif. Je suis un ancien professeur. Tout. Donc, on va dégager. On va dégager. Et Régis, on fait un signe. Caleb, ça veut dire que nous parlons de première intervention. Et autour de la situation politique, je dis en tout cas, je présume.
Est-ce que nous sommes capables d'inviter auditeurs ou bien auditrices à parler avec nous? Auditeurs ou auditrices? Non. Pas encore, il a fait manœuvre okay. pour parler avec lui. Mais si je bien comprends, ou déjà entrevoit une solution plus ou moins rassurante qui est capable de garantir la paix dans le pays hein, quand elle, après 7 février. Oui, avant nous recevoir auditeur, c'est le dialogue. C'est le dialogue. En situation de crise, nous supposons chiter ensemble. Et comme je l'ai dit, même dans la famille, tout le monde n'est pas bon. Là, dans la famille, il y a un grand qui n'est pas bon. Ce n'est pas rejeté la famille. La famille prend peut-être une responsabilité de la petite là, ou bien même la famille. Il n'y a pas de balle là. Mais il est toujours un membre de la famille. Donc, nous n'avons pas d'intérêt aujourd'hui pour chasser un tel de la famille haïtienne ou un tel de la famille haïtienne. Nous sommes seule famille. Si il y a un grand qui n'est pas bon, on a une responsabilité de ne pas balle encore. Mm-hmm. On essaie de connaître la signe capable avec un auditeur. Auditeur de Métropole, bonjour. Bonjour. Oui. Alors, m'a salué Wendel et m'a salué député. Hein. Alors, moi, un point, ça m'a gagné pour me dire, c'est concernant Jean, député, qui a dit tout à l'heure, le dit, parlementaire, il n'est pas seulement là pour faire loi, parce que Gampi loi qui est dans Tiwa, etc., etc. Et je suis bien content qu'il vienne avec exemple et tabac qui est en pleine évolution, alors que, en termes de service, tabac n'a pas pratiquement gagné rien là-dedans qui existait pour la population. Donc, moi, m'a coûté Carrefour. Je gagne même lecture, ça, que me fait de Carrefour. On fait de l'infrastructure qui a servi tout le pays, on a parlé du terminal gaz là, et l'on a gardé ça. Et, ça carburant représenté dans le pays, on va regarder qui ça a rapporté en termes de profit et on va regarder service à Carrefour ou presque dit est-ce que vraiment Carrefour les jouit de retour investissement ça qui gagne la dernière. Donc, maman des députés, comment ils ont fait, comment ils ont mené en bataille de telle sorte que, bon, si, bien entendu, excusez l'expression, on a un député Carrefour parce que généralement, on ne parle pas qui ça a fait pour Carrefour, on ne va jamais entendre parler vraiment et au profit de Carrefour. Si la mené en bataille comme ça, tant pis. Essayez de parler dans les oreilles et si nous représentons Carrefour pour comprendre la nécessité, ce n'est pas Caleb Beramo, c'est plutôt en question de nation, en question de communauté pour un service, pour être capable de faire en sorte que les rentrés dans le jeu tous les mêmes bonnes façons pour Carrefour, jouit de ça les gagner comme potentialité qui déjà existe. Deuxième point de vue, c'est un petit peu fou peut-être. Non mais faut très bref. Et l'on regarde Jacques Mel par rapport à la distance qu'il représente à Port-au-Prince. C'est en très courte distance qu'on a comparé et un monde qui sortit Orlando pour aller et Boca Raton, etc. Pour qui ça, nous n'avons pas gagné de nez qui pensait à faire juste un petit tunnel sorti là et après au Prince ou à Carrefour pour rentrer et dans Jacmel sans pas obligé de contourner les organes pour remonter, etc., etc. Donc, c'était une idée fou. Mettez public et puis moun ki katande, moun ki gen esprit pi ouvè ke mwen ki wè pi loin ke mwen yo kapab gade ki sa ka fè. Donc question an c'était ki sa nou ka fè pou justement communauté ki gen de gwen fase ti la dan yo jwi de retour investissement sa on fase pou population an ka jwenn servis. Merci auditeur. Bon, tout dire auditeur, le député de Carrefour s'appelle Jacques Beauville. Mm-hmm. Beauville Jacques. Et c'est collègue sur plateforme Vérité. C'est pas juste un dialogue, mais c'est parce que généralement, je ne m'attends pas à vous. Parce que généralement, je ne m'attends pas à vous. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je vais me lancer, ce n'est pas du tout ça. Mm-hmm. Au contraire, je suis bien content que vous suivez des modèles très positifs. Et je suis de monde qui est très correct, et puis là, yo baille satisfaction à mon Carrefour. Jusqu'à présent, je suis beaucoup tendé dans l'échange à mon Carrefour qui dit. Mais yo, pourquoi même siéger pourquoi rentrer parlementaire. Auditeur, pourquoi rentrer parlementaire même, c'est aujourd'hui, en tout bagage fait. Donc, on parle tant des députés, là, on commence à. Nos députés à présent, dans l'exercice Carnaval SEO, hier soir, on a regardé des députés dans la télévision qui est dans le Carnaval Carrefour. Et puis, je me suis dit de belles bagages là. Par exemple, moi-même, bravo, si tu as un tunnel qui est sorti par le prince qui rentre Jacques Mel là. Pour me connaître. Et ce n'est pas l'État qui est obligé de faire. C'est ça, je me dis. Donc, pendant 20 minutes que mon Jacques Mel est arrivé par le prince, mon Port-au-Prince qui arrive Jacques Mel, là, ça me pas besoin de conduire. Pour mal Jacques Mel, je prends train ou bien je prends. Exact. Ou imaginez des TGV en Haïti, je dis, je ne prends 30 minutes pour moi, pas ici. Bon, je me suis parlé de un projet fou, donc nous avons dit que nous avons privé avec DG Calais, nous privé. En tout cas, nous remercions pour l'intervention. Oui, très bien. Nous recevons l'autre monde rapidement parce que nous pas souhaité que. C'est ça. Nous n'avons pas souhaité que débat, ça nous voulait faire matin ou bien émission,
li reflété intervention reflété seulement des bails de chapelle ou bien des bails particuliers. Mais matin n'a pas les pays. On n'a pas les pays. Nous gagnons un citoyen qui veut pas les pays. On a les auditeurs ou bien auditrices. Bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour. Ou même parler n'attendo. Oui. Bonjour. C'est pour M. Liramo, s'il vous plaît. Bonjour aux auditeurs de Radio Métropole aussi. Très bien. Dans le cas où la commission de vérification demande l'annulation des élections, quelle réaction ou non, député? Ok, c'est une très belle question. Merci beaucoup, auditeur. La question de la commission est encore relevée dans le niveau politique. La commission d'évaluation, ce n'est pas la commission d'évaluation ça qui est là. La commission d'évaluation, ça qui est là, tu fais des recommandations. Et moi, c'est pour ça que je dis ça. Une recommandation n'est pas une décision. Recommandation que la commission a fait, qui instance qu'on y a qui peut décider de faire application de recommandation? Maintenant, c'est ça. Et c'est justement dans l'échange qui peut le faire entre les gens qui veulent choisir comme président provisoire et les gens qui veulent choisir comme premier ministre, là, en consultation avec Force Vive Nation, en consultation avec G8, c'est les gens qui peuvent décider. Comment il a continué le processus là? Parce que quelque part, il faut continuer le processus là. Pour continuer le processus, ça ne veut pas dire si nous voulons balancer les présidentielles, nous camper, non? L'ICA a balancé. Maintenant, c'est dans combien de temps nous avons fait? Combien de temps nous avons fait pour ça? Député, pour vous comprendre l'esprit, question auditeur, auditeur, vous dites comme ça que si vous passez maintenant l'élection, sûrement, si la commission a demandé pour vous. Pour évaluer les présidentielles. C'est non, ça lié mais, dans mais, le débat. Mais elle pas dit présidentiel seulement. Non, elle pas il pas retourner sous parlement. Parlement je dis à son acquis que lié. Donc son acquis et c'est acquis parlement, c'est cas, acquis existence parlement qui fait nous parler dans chaos. Moi bon garanti que question auditeur là c'est dans sens ça là. C'est ils sont passés mais général. Bon me répondre déjà. Moi suivre, me faire monitoring et m'écoute dans pile monde d'ailleurs. Jusqu'à présent, son l'école, je suis un pile grand leader, je parle avec un pile grand leader, je parle avec un jeune garçon pareil, moi tout. Je dis, la crise électorale, c'est une crise qui déroule à partir de l'élection présidentielle. Là. OK. Maintenant, ça, c'est la constante. Maintenant, quelle que soit la commission pour venir, il y a un mandat pour réévaluer présidentielle. Parce que, bon, il faut tout dire, il ça. Pas une pièce qui a mis un député ou un sénateur de non, non, parlement. C'est l'Assemblée seule qui a décidé ça, oui. C'est seule l'Assemblée, oui. Donc, l'Assemblée a décidé. Oui, l'Assemblée a décidé, ils ont étudié le dossier, on parlementaire, et puis l'Assemblée a retiré. Mais pas personne encore n'a retiré, on débute un sénateur en bas. Okay. Et personne n'a pas coupé mandat, on débute un sénateur tout, non? Toute la constitution, oui. Ok. On allait, petit réserve sur ça, mais on allait sur. On allait avec auditeur que nous avons là. Auditeur, bonjour. Bonjour Wendel. Bienvenue. Bonjour à Omento et Caleb Deramo. Bonjour Caleb Deramo. Moi, je me pose une question, Mathias. C'est que je suis là, de très près. D'abord, je suis des articles au niveau de la Constitution. Moi, je que pas de cinquième année, c'est quatrième année, je parle de quatrième année, mais pas de question de cinquième année. Maintenant, moi, je parle tout de question de l'Assemblée nationale là, qui a supposé mettre un président et après départ président Matéli selon l'article 55, si je ne me rappelle pas bien. Les membres qui ont dit la député Kalem, si c'est un compromis politique, d'après nous-mêmes qui est capable d'aider nous sortir de la crise là. Maintenant, si la Chambre des députés après initiative seule, connaissant la politique Haïti, les gens qui sont dans la rue aujourd'hui, nous allons parler de G8, nous allons parler de l'ensemble de l'opposition plurielle qui est dans la rue, nous n'allons pas arriver à un compromis avec eux. Et sous ça, nous même tout bien comme agenda par eux. Maintenant, là, il y a un grand problème. Même si nous arrivons à mettre un président 7 février, mais il y a toujours des gens dans la rue qui continuent à revendiquer. Et l'élection, nous n'avons pas qu'à négliger. Et je dis, mais c'est, mettons que Jovenel Moïse, aujourd'hui, là, qui dans cette situation qu'elle est là par rapport avec le pouvoir qui t'a piqué le plus devant, mais nous n'avons pas qu'à négliger le monde. Il faut qu'il y ait un dialogue et il faut qu'il y ait une commission de vérification qui monte, qui est capable de faire lumière sur la question de l'élection. Maintenant, si vous nous jouez un compromis, nous croyons qu'il faut que tout ça vous-même arrive en dedans, il y a un paquet qui est capable d'aider le pays même après 7 février. Maintenant, je conclue pour me dire que député, si l'Assemblée nationale arrive et met un président seul, il n'y a pas un compromis avec G8, avec l'opposition plurielle, nous croyons que la crise-là, les 5 carrés, commencer d'abord. Moi-même débuté.
Merci, merci auditeur. Bon, je ne vais pas parler de ça là, dans l'intervention que tu as fait dans la première partie. Là. C'est-à-dire que je dis que le Parlement n'a pas de solution pour contre lui. Yeah, et je bien parlé, je dis que l'Assemblée nationale pour aller investir nos deux pouvoirs parlementaires. Nous. Et je dis les présidents des deux chambres, ils ont supposé, et même en fin de mandat président Martelly, ils ont supposé composer définitivement avec les forces vives, composer avec et ensemble de leaders d'opposition aujourd'hui qui a manifesté, composer avec G8 et composer avec d'autres forces et morales que nous avons dans le pays. En aucune façon, on ne peut arrêter quoi que Mdaka vienne la matin, vienne passer parlement et qu'a fait le boucot. Mais comme il s'agit de l'État, il s'agit d'institutions. Et nous devons garder la Constitution. La Constitution dit nous, si nous faisons des choses, si le Parlement là, il faut nous servir à Parlement pour nous ballon poids constitutionnel. Il ne doit pas répondre intégralement aux prescrits de la Constitution, mais quand même, l'esprit de la Constitution était là et nous pas fonctionné dans le chaos. On nous garde pour nous avec notre auditeur. Et auditeur de Métropole, bonjour. Oui. Bienvenue. Oui, bienvenue. Oui, oui, bonjour. Bonjour. On félicite nous pour la façon que nous présentons l'émission à matin. Merci. Et moi-même, point de vue par moi, c'est tout ça qui a rapport avec l'Assemblée nationale qu'a fait aujourd'hui. Moi-même, je me demande, est-ce que Gressier lui-même est en commune dans le territoire national là, qui pour qu'on est représentant? Donc, est-ce que la possible, est-ce que la Constitution, dans ce cas, les bails provisions pour qu'il y ait une Assemblée nationale. Si la Constitution a bail provision avec ça, Gressier lui-même, il n'est pas capable de commune, soit nous voyons sous les regards, nous voyons en République dominicaine, et que l'autre circonscription a privé des élections. Bon motif. Éclaircissement, s'il vous plaît, de cela. Merci. Okay. Merci beaucoup, auditeur. On va répondre à ça. Alors, donc, c'est tout simplement les questions électorales. Mm-hmm. Et parce que, de l'autre côté, l'élection pour qu'on fait dans le pays, dans le côté, il y a un deuxième tour. Et c'est ça qui fait moi me penser. Après, une fin, il y a un président provisoire, après consultation, toute force pays, et nous arrivons au premier ministre, immédiatement, nous supposer et aller droit vers la question électorale. Mm-hmm. Et c'est ça qui fait tout. Je m'a tout insinué ça. Transition, que nous n'avons pas l'air, transition de Bavle et il faut regarder dans combien de temps nous avons fait. Combien de temps nous avons pris pour nous faire un conseil électoral? Combien de temps nous prend pour la commission d'évaluation? Ça mette nous 3-4 mois. Et je dis, pour nous aller où font élection, combien de temps ça prend pour faire élection? Ça prend mettre nous 3-4 mois. Mm-hmm. Donc, affaire 90-120 jours, l'en chita dans le dialogue là, nous mettez bon agenda à terre. Mm-hmm. Nous partons là pour nous reconstituer dans au moins un an. Au moins un an. Donc, nous transition pour 2 ans. OK. Mais il n'y a pas 2 ans. Il n'y a pas 2 ans. Si nous mettez agenda comme ça, il n'y a pas 2 ans. Au moins le 7 février 2017, bon président qui est allé constitutionnellement dans le pays. C'est parce que nous avons des gens qui disent ça, oui, qui parlait de. Qui parlait de. 2 ans. Oui. Mais. Pas au moins 2 ans. Et Gampili de. Nous pas prévu, non. C'est. Premier ministre a monté consultation pour mettre un conseil électoral. Ben, conseil électoral là, 1 mois, 2 mois pour le prendre forme call et puis font élection présidentielle dans 4 mois. Ça mettait nous à décembre 2016 et puis 2017, un président installé et puis le pays a continué sous la marche. OK, on allait pour nous avec une téléspectatrice. C'est première qui a participé à l'émission là matin. Oui, oui. Allô? Bonjour, bonjour madame. Député de Rameau, félicitations, c'est une auditrice merci. De Caraïbes. Merci. Moi, nous ne pouvons pas parler de pensionnaire et l'État du tout. Non, parce que c'est pas de ça. Ce n'est pas de ça que nous avons parlé aujourd'hui. Dans le DGI, pour faire un prolocatif, parce qu'on a des ordres. Dans la mairie, on a des ordres. Tout le monde s'est cherché, tout le monde a touché pour un prolocatif. Vos yeux sérieux. Soit fait pour locatif là, s'il vous plaît, député. D'accord. Et bonne journée. D'accord, merci. Faut me dire, mon tout, malgré nous avons travaillé en huis clos, chambre député a pas dit nous avons dormi. Chaque jour, nous toujours descendons à Parlement. Li kon samedi, nous avons quitté Parlement à 9h du soir parce que nous toujours en réunion, toujours en consultation. Mais comment c'est payé nous? Comment c'est payé nous? Bon, pas comment c'est payé nous, mais par exemple, il y a des frais pour fonctionner. Il y a des cobres qui tombent. Papa, comment ça? Alors, Fréliel, bon, je vous dis ça. Par rapport à j'ai besoin aujourd'hui dans la société, en plus, là, nous avons plein en barre. Je comprends. En plus, là, nous avons plein. Mais, attendez,
Mon commencé vinn la caillou vinn mandé nous comme c'est ça. Ah pas pas mon mandé nous comme de pour homme d'état. Vous supposez aider monde c'est pour le service scolaire et par rapport au service faut bail service. Moi je voulais dire amis auditrices là téléspectatrices là tout que dans chambre député a jodi a gon commission pour présenter rapport gon commission qui travaille sur formation commission il était 12 à partir de règlement intérieur là. Mais après le travail là pour une fond séance pour amender pour venir environ 16 à 18 comme ça grand pile l'autre secteur c'est commission qui pas gain sur yo commission pour le travail et me garantir en pile monde 50e là pour très dynamique et okay. Et mettre miser sur ça. OK d'accord. On aller avec on l'autre auditeur que nous gain avec nous là auditeur. Bonjour. Bonjour bonjour auditeur. Bonjour bonjour Wendel, bonjour député Caleb. Oui. Bon, député Caleb, moi-même, ça que m'a demandé, nous, pour t'en faire moins. Moi-même, son jeune petit en ville. Bon, et auditeur, n'a pas tout sur ça. Je t'ai dit plusieurs fois, même pas de que tu as dit ça. Ok, nous, pas. L'élection 2015, qui s'est faite là, mais nous votons loi. Si un candidat passe 3% au moins, il n'a pas de chance de participer à l'élection 2020. D'accord. D'accord. Merci, bon. Auditeur. Merci beaucoup pour votre vue là. Ça vient dit, l'idée parlait ça avec David de Vétionville là, Jerry Tardieu. Mais bien sûr, parce que nous faisons un peu de mission pour nous statuer sur ça. Sur fonctionnement parti politique. Yo. Je dis à pléthorique de parti politique qui est là, il vient un peu trop. Il faut aller revisiter ça, fonctionnement en parti politique. Yo. Mais monsieur dit moins que 3%, mon avocat. Bon, peut-être, j'en dis, ah, c'est dans le fonctionnement parti, c'est à partir de loi électorale là, nous allons laisser garder ça, mais nous ne sommes pas les seuls qui vont décider. Mm-hmm. Pour fond loi, il y a un paquet de monde qui est concerné là-dedans, il y a un pile consultation. Mais il semble qu'il y ait un pile grief, il semble qu'il y ait un haïtien qui a un pile sous cœur, il y a un pile désaccord par rapport à gens. Pays en marché à la Caleb de Ramon. Non, il est clair que le pas qu'a dit comme homme d'état, m'a pas dit que le pays va mal. Mais le pays ne va pas bien non plus. Non, le pays ne va pas bien ah non ouais, plus. Non, ça se Non, alors bon vous pouvez vivre pas maintenant. Tout dit qu'on a que Caleb n'a fait démagogie là maintenant. Non, pas démagogie. C'est attends. Okay. Moi même ça me l'ai dit. C'est parce que je dis à nous grand pile bagaille n'a construit. Nous grand pile bagaille n'a construit et construction pas facile. C'est dans l'amier. C'est sûr que les choses sont difficiles, les choses sont très difficiles, mais moi-même, je m'apprends déjà depuis la troisième année sciences humaines, en pile société passée par phase critique ça pour nous arriver. Et c'est court, hein? C'est l'on prend court expérimenté. On allait avec donc, auditeur. Nous, c'est ça tout pour nous garder. Bon, auditeur qui est raccroché, il a attendu trop longtemps. Eh bien, on va continuer avec réflexion. Non? Mais oui. On rappelle 28 16 52 52 ou bien 37 02 20 21. On va prendre deux ou trois auditeurs encore pour nous finir parce que nous n'avons pas fait de matin. Pas de problème. On va lancer un staller. Oui, nous prenons ça. Et depuis d'avoir les. Le savoir tout de blanc. Oui, tout de blanc et chemisier blanc, pantalon, veste blanc, cravate noire, ceinture noire, souliers noirs. C'est ça, on me lit, on me dit nouveau. Sénateur oui. Noir et blanc. Sénateur noir et blanc. Mais expérience, comment on trouve là dans nous-mêmes? Bon, son expérience à faire, son engagement me prend, mais il faut me saluer en pile d'amis que me gagné dans 49e an. Les députés, Le Vaillant, Timo Léon, Acluche, Scholzer qui là, Patrick Joseph, dans pile d'un député ça, depuis dans 49e, dès qu'on a fauté avec eux, dans pile réalité parlementaire que me connais déjà. Donc, moi embrasser avec courage, c'est pas un exercice facile, parce que l'Assemblée politique, l'Assemblée dialectique et contradictoire. C'est surtout ça. C'est ces phases dialectiques là qui prennent vraiment le grand combat. Lorsque parlementaire yo dit que l'Assemblée est politique, c'est pour faire quoi que yo doué pas d'accord. Mais c'est pas ouais question d'aspect dialectique là et aspect contradictoire là. Mais c'est yo qui fait le politique là. C'est yo même oui. On dit moi même mais comment moi où est nous toutes 92 qui en bas. Bon côté nous rivé nous tout gain même intérêt et c'est ça que fait nous obligé faire séance en huis clos les noirs huis clos nous traiter toute bagarre entre nous et sans traiter entre nous li pas d'ordre public li pas ca sortir dans la rue
Donc ça veut dire nous tous gain même intérêt parlementaire là. Moi même pas ta souhaité youn collègue mais on pas ta souhaité pièce dans yo échouer dans mission que population yo a baillou. Donc ça veut dire son solidarité. Moi supposé accompagner tout collègue moi depuis collègue là en difficulté. Donc ça veut dire déjà gain ça. On pas faire politique avec l'on. Son question j'aime te dire hier dans nos réunions gain. Son confrère nous yé. Son confrère nous yé. Caleb de Ramo, est-ce que un gouvernement de transition pendant environ un an, c'est pas pays qui a fait bac. Il n'y a pas fait bac. Au contraire, c'est pays qui a avancé. Parce que il y a des manquements que nous avons là. Par exemple, garder sa crivée. En fin de règne, président Martelly, par un président élu qui a pris place, c'est un manquement. C'est un manquement. Donc, nous avons un an pour nous réparer ça. Et réparer le bac à 10, nous avons fait bac. OK. Qui garantit que nous avons, par exemple, que 6 ans plus tard, même crise ça que nous gagnons aujourd'hui, nous pas gagner encore parce que nous gagnons en 2010. Oh ouais, très belle question. Maintenant c'est son perspective moi de me dégager, mais par rapport à chrétien même d'où Dieu seul sait. Mais il pas dans niveau Dieu seul sait. Moi penser aujourd'hui 50e an, il pour une chita un homme responsable pour nous vraiment traiter en loi électorale. Pour une loi électorale qui vraiment traité et surtout traité de questions BCED, BCEN. Ok, attends-moi là. Pas oublier ce que tu as dit BCEN, BCED. Un oui. Auditeur qui a souffert de bon petit temps sur les noms. Bien que je pense que tu vas parler. Auditeur, une seconde. Je pense que tu vas parler de nécessité pour que nous adressions question au Conseil électoral permanent. Mais nous allons retourner sur ça. Oui. On prend un point de vue auditeur. Et ça qui est ensemble avec nous. Auditeur, bonjour. Oui. Et auditeur, oui. Alors, ça m'a dit, député, nous avons un pile monde, quand nous avons gagné, bâtonnier de l'ordre des avocats, qui fait. Mais Gaston. Stanley Gaston. Gaston. Avant, nous avons Maître Dorval. Maître Dorval. Et bien, m'a dit, député, la position de M. Sayo, c'est une position en pile monde, pas capable. Par conséquent, je vais vous rappeler une parole que M. Dorval dit. Comment on est capable d'aller épurer les politiques électorales là. Ça que fait là, il fait depuis le bureau de vote là. Nous allons nous défier en toute justice et pour que nous soyons capables de remodifier ça. Par conséquent, je ne vais pas être adapté nous-mêmes. Attention sur lui-même comme député à sa affaire pour ne pas tomber dans l'injustice. Parce que c'est extrêmement important pour que nous connaissions des mondes. Mais ta volonté, il faut que respecter, pas vrai, ça que nous-mêmes nous avons voté. Pas de monde à juger, pas vrai, sur des considérations qui sont vraiment quittées. C'est logique. Pour nous faire n'importe qui bagarre, même si nous sommes mandat à faire place. Par conséquent, à n'importe quel moment, songez que, à n'importe quelle décision, si on n'est pas capable de faire, retournez encore contre le peuple. Mais le map de Tiguaol, le mandat me proposer, le map vivre à face à la nation. Et je crois que, c'est une magouille, eh bien, la population a toujours été là, comme monde qui vous dit, nous allons les voter. Eh bien, que vous êtes 4-7 moun, dans le deuxième tour, ma propos de sa kounia là, que vous êtes 4-7 moun, dans le deuxième tour, présidentiel là, pour le côté politique électorale là, pour nous sortir de côté nous y a. Dès lors, on va voter, et bien, on a dit que, l'État, que le monde a sorti là, que vous dès le premier tour, bah ouais, à un seul tour, même si vous avez 26% des votes, bah ouais, et bien, le monde a fini, que tout président finit avec ça. D'abord, qui fait que, que nous-mêmes ne pas prenons comme juifs, ne pas qui bagaille, mais comme population. La population, c'est lui-même qui est capable d'être le juge suprême. Ou c'est lui le juge suprême de tout, car c'est pour lui que tout est fait. Merci. Merci, auditeur. Alors, Caleb, par contre, on fait le même constat. J'ai l'impression que l'auditeur est très excité. Oui, il est très tranchant. Tout. Oui, très, 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 voilà, tranchant. Très tranchant. Très tranchant. Par contre, on est permettre que moi-même, j'ai dit un mot sur ça. Nous essayons de comprendre la position là, mais il faut que je t'attende effectivement qu'il t'a fait sous question ça, parce que tout acteur dit même bagaille. Tout acteur a justement demandé pour respecter votre peuple là.
La Valace dit même bagay la tout. La Valace dit que yo remporté l'élection, faut que yo respecte votre peuple. Moïse Jean-Charles dit même bagay la, faut que yo respecte votre peuple. Et le reste, gen moun qui dit que c'est KEP qui bay yo vote. Quantité, m'tan de Sauveur Père Étienne dit même comment yo décidé balé. Donc ça veut dire que c'est on chit attendé pour qu'il fait sous question pour qu'on qui est-ce qui gen pour personne pas senti que yo fait yo injustice, député. Moi-même, je vais dire un mot sur ça parce que je suis dans l'élection tout. Et tout le monde connaît, je toujours dit, dans la question de tort, yo fait moun dans l'élection. Plateforme Vérité, c'est la première structure politique qui est victime de tort CEP a fait. Jusqu'à matin, on a parlé là, 4 février 2016, là, pas de personne qui a dit ça que fait Jacques Limac pas dans la course présidentielle. Là. La première victime, c'est Plateforme Vérité. Nous faisons 4 manifestations montées dans la CEP. Jusqu'à ce que gen moun ki saisi ou dans la rue a manifesté et dit qu'on aime comme nèg dans micro ni qu'on a critiqué ou pas penser m'te ka prendre la rue à tout vérité te prend la rue à et vérité encore victime de candidat qui là ka l'élection qui pas passé parce que CEP a fait tort mais bon bagay moi vle di élection c'est toujours base problème ici mais maintenant m'a parti à partir du devoir du citoyen en population nous servions pour de 11 millions. Nous avons 4 millions qui ont voté, les 4 millions et plus. C'est 1 500 000 seulement qui ont voté. Donc, moi, je pense que je dis, il faut nous partir déjà du citoyen. Pour les citoyens qui ont voté, oui, on doit respecter, mais il faut qu'il y ait plus de monde qui participe. Tout autant qu'il y ait plus de monde qui participe, il y a moins de marge pour les gens penser au café des autres. Oui, mais par rapport à la structure électorale. C'est question de responsabilité à toi. Oui, oui. Sous songer, tant pour 9 août que pour 27 octobre, te grand pile appel au boycott, te grand pile monde qui te dit que qui demande des populations pas sorti parce que pas le 29 novembre. Oui, bon, alors tout ça c'est des monde qui carrément irresponsable. Non mais l'autre dit ça tout même si là quand même tantôt dit ça, au capable de bonnes raisons pour dire pas le gain carnage, pas le gain massacre. Donc on ca choisir être là quand même. Bon d'album sont bas sur ça. Ouais, je nous gon l'état qui a fait deux voiles, on l'état qui a fait deux voiles, moi bien précisé. Et on l'État qui a fait mon respecter droit, il y a des déclarations qu'on ne peut pas faire comme ça. Moi dis, joue l'État a fait deux voiles, joue l'État répond à deux voiles. Je dis à deux voiles l'État, c'est les services et les normes. L'État moderne sont l'État de services liés et l'État moderne est normatif. Moi reconnaître ça, mais je dis à l'un de nos sociétés qui a fonctionné, faut qu'on reconnaisse ou pas qu'à lever ou même comme citoyen pour annoncer le chaos. L'annoncer le désordre, commissaire gouvernement. Ou bien n'importe qui monde dans l'État capable poursuivre vous. Si vous jouez les services, si l'État fait de voile, l'État qui fait de voile là, c'est l'État qui est fort, c'est l'État qui est capable d'assumer, et je l'assume, là, la baie population service, citoyen en sentit bien, citoyen pas pour aller vers le sentiment de désordre. Donc c'est ça que fait, l'État vient fort, et le ça tout système en plat, nous ne pouvons pas lever le matin pour annoncer des ordres comme ça. On dit, États-Unis, c'est pays qui vraiment une libre expression. Hein? Ou pas avec une nègre dans la télévision, bon, ça a commencé à instituer ici. Qu'on y a une nègre dans la télévision qui a sous président, tout le monde, mais nous commençons à gagner ici, tout le monde. Mais attention, liberté d'expression aux États-Unis. Quand on arrive, des moments qui mettent 1% plus, un système qui freine, on sait quoi. Quand on a toute liberté, pas une meilleure liberté qu'aux États-Unis. Mais qu'on y a, j'ai l'État, ça a fort, sous fond petit manquement seulement. Ou quand ça fait un policier, bah, on a fait une expérience déjà. Oui. Nous avons une machine. Les policiers ont suivi nous dans la zone de nous. Les policiers ont suivi nous. Ils ont dans la zone de nous virer trop. Parce que nous avons un côté de Miami. Les policiers ont nous et Jéhovah nous camper. L'un camper, nous freiner. Ils ont une lumière arrière ou pas allumée. Les policiers ont un côté conducteur. Ils ont dit que nous avons viré dans la zone là. C'est où vous faites venir dans la zone là. Nous avons dit oui, nous faisons venir. Nous avons cherché là. Les policiers ont dit mais où pour faire, mais où pour faire, où pour venir là. Mais nous avons une bonne contravention là. Parce que l'on camper là. Il y a une lumière qui n'est pas allumée. Est-ce que vous comment l'État y est? Donc ça veut dire l'accompagner ou? On doit s'imaginer. Mettez-vous des ordres pour faire. On imagine que ça t'a passé ici dans le pays, pas non? On imagine que ça t'a fait ici. Bon, ça t'a fait. Bon, ou qu'on a viré 1000 fois, parce que vous avez demandé où ça t'a passé. C'est de ça qu'on a parlé. Deuxièmement, on a parlé de l'État ça. Même aux États-Unis, qu'on dit en tout, si la machine ou en panne, un policier a demandé où ça t'a passé, ça rien. Oui. Ouais, juste poser question ici pour bah, ça capable. C'est ça, moi-même moi penser le niveau humain nous pour qu'on arrive là-dedans. Le niveau de l'acceptation, le droit à la différence, la tolérance, nous pour qu'on arrive dans ça yo. Et nos besoins yo.
C'est normal, oui, si je viens dans le studio là, pour Wendell met ton cravate noir, met ton cravate rouge. Ça va vous dire si Wendell met ton rouge, j'ai un problème avec elle, c'est rouge là pas. Bon, Wendell t'a acheté le trop cher, soit acheté le cher comme ça, c'est mon qui n'a grand goût. C'est pas vrai. Faut accepter que nous différents. Faut accepter que point de vue nous différents. D'ailleurs, éducation nous pas même. Environnement nous pas même. Mais nous vivons dans le même milieu. Premier bagage, c'est tolérance que nous ne pouvons pas gagner en Haïti. Oui, et surtout le droit à la différence. Ou pas accepter que qui beaucoup là est différent avant. Et pourtant, malgré la différence, nous complémentaires. C'est oui. Tout en éducation, c'est tout en culture. Mais moi, je pense que nous privé là. Nous privé là quand même. On essaie ça. On espérait ça. Caleb Deramo, c'était un grand plaisir pour me donner au matin. Hein. Et alors, ça fait surtout plaisir, c'est le fait que moi, public métropole, il y a des gens qui prouvent nous effectivement que yo fidèle à la métropole. Oui. Et il faut le faire aussi. Il y a des gens qui prouvent nous tout que yo compté sur vous, qui montrent là que yo compté sur vous en tant que jeune député. Et qu'on peut faire la différence. Et en bas, dans la chambre basse là. Et que mon tabarro, mais j'espère que pas progresser. Et puis il y a de beaux projets qui peuvent soumettre. De même qu'on peut retirer en pile l'anti-war tout. Et j'espère que des mondes courants peuvent contribuer à renforcer l'État ça, qui est tellement faible aujourd'hui, hein, que toute dérive possible, tout débordement possible, Caleb Deramo. Oui, oui. Bon, en tout cas, Wendell, merci à Métropole. Alors, moi, ça me l'a dit, c'est pas. Moi-même, je ne viens pas aller comme porte-parole de l'Assemblée. Mais moi, je voulais dire, Mounio, je ne suis pas le seul député qui a un niveau d'engagement. Ça. Et nous, en pile, et nous sommes en bonne législature qui a un pile de jeunes garçons là-dedans. Donc, nous avons un pile de mains. Nous reconnaissons, nous avons un pile de mains et nous pourrons composer ensemble pour nous faire modèle là. Un député qui font gaffe dans le Parlement, c'est toute assemblée à critiquer. Donc, l'important pour nous connaître, pour nous protéger une l'autre, pour nous aider une l'autre. Parce que son seul grain qui a fait assemblée et critiqué. Donc moi-même, moi parti de ça et me connais grand pile l'autre collègue qui parti de ça. D'ailleurs, Mounio Kawé pour première année ça, garder profil président chambre députée que nous gagnons. Son président très conciliant, son homme d'équilibre et c'est son nèg qui zanmi tout le monde. Donc sous base ça, nos rapports. Tu as fait bonne impression dans le point. Exact. Là, en tant que président. Exact. Yeah. Donc nos rapports humains, nous avons le fond Jean pour nous bien gérer en bas. Et les points de vue politiques, les points de vue dialectiques, nous avons fait en sorte que l'un parle. Par exemple, moi-même, l'un parle, il faut que mon daba sentile, il faut que mon abricot sentile, il faut que mon les Iwa sentile. Parce que moi, je suis député du peuple. Et je suis un nègre dans le temps qui irait me courir machine en pile. Calan pile fait champette, donc on a pile côté dans le pays. Ya. Donc c'est sûr que je voulais, demain, je me prends plaisir, je vais décider de me lever à Jacmel à 2h du matin pour ne pas avoir de problème. Parce que je vais décider de lever à Jacmel à 2h du matin. Je vais aller à Jacmel à 3h du matin et puis je vais me porter Port-au-Prince. Donc moi, je voulais que, même gens pour moi, je voulais pour le pays, je vivre bien là-dedans, je voulais pour tout citoyen tout. Et tout député et sénateur voulait le même genre. Donc, après nous, on est dans la mission. OK. Et alors, ça, c'est la dernière question pour finir. Oui. Après 7 février, ou quoi que. Pas de chaos? Non, pas de chaos. Pas de chaos. Moi, miser sur ça au nom d'Haïti. Et pas de carnaval. C'est ça qui est intéressant. Pas de carnaval, tout. Parce que je commence à faire stand sur Chelma, là, pour une fois. Il y a fait carnaval, pas de carnaval. Parce que ça qui passe, c'était un bah, souci, oui. Carnaval avec fête Noël, c'est un moment trêve lié dans la société haïtienne. Même si nous avons un conflit, depuis fête Noël arrivé, c'est trêve. Le carnaval, c'est trêve tout. C'est juste un moment privé pour nous relaxer, nous. C'est les bacchanales, c'est fête Bacchus, c'est bamboche, c'est plaisir. Après ça, nous replions, nous recueillons nous encore pour nous continuer à fonctionner. Donc, moi-même, 7 février, moi-même, j'ai toute force dans le pays. Toute force humaine, toute force visible et toute force invisible. Parce que les forces invisibles qui mènent nous là tout. Nous ne reconnaître ça. Donc, force invisible supérieure, hein, m'a parlé. Parce que là. Non, est-ce que c'est mauvaise, est-ce que c'est de mauvaise force ou de bonne non, force? Parce que les forces invisibles, il n'est pas obligé d'être mauvaise. Non. Mais toute vibration que nous avons recevoir. Parce que il y a des vibrations qui ont traversé nous là. Nous étions seulement à niveau terre à terre, nous ne reconnaître pas dimension que nous gagnons. Donc, moi-même, je invite vraiment les forces invisibles et surtout force supérieure. C'est grand maître là qui va mettre tout bas et fait. Et toute autorité vient de Dieu. Donc, c'est aujourd'hui, c'est parce que les nous pensons pouvoir des fois, nous ne connaissons pas. C'est bon Dieu en l'air avec le pouvoir. Salomon, David, c'est des modèles que vous avez. Et modèles, ça, c'est parce que vous avez respecté bon Dieu d'abord.
Donc moi-même j'aime dire là, m'inviter la force de Dieu et d'autres forces positives qui encore descendre sur pays ça pour 7 février pour nous connaître bien. Parce que moi-même, moi j'étais contre 7 février 86. Moi ouais qui désordre qui était gain là-dedans. On grandit avec ça dans tête moi. C'est qu'à Fumdé ou en 89, on était ouais, il a passé à Tonton Macoute, monsieur mettait dans big bois moun yo boulé a passé. Je dis en 2016, moi arrivé député, moi pas qu'à vivre dans société ça encore. Et petitement petit mais pas gain droit vivre ça encore. Parce que le monde sont petit village lié. Je dis à là, nous dans studio là, n'a fait le point, gain moun au Japon qui a regardé nous là. Gain moun en Asie qui a regardé nous. Donc ça veut dire le monde vit nos petit village. Nous pas qu'à décider aujourd'hui à haïtien que nous pour n'avoir une vieille image. L'aime pour voyager, j'aime dans l'autre pays. Tout côté me rivé, c'est comme député à recevoir moi. C'est pas comme haïtien non, il a recevoir comme député et après haïtien pour renforcer. Député de un pays l'obéit. Exact. mais c'est ça. Moi-même comme député qui pour représenter l'état d'Haïti, me pas qu'à arriver au côté pour c'est l'obéit moi me représenter. Si me paraît me représenter l'état haïtien, faut que depuis me paraît déjà pour m'inspirer respect. Et c'est justement ça que nous avons fait. Le 7 février, le président Matéli. Au grand pile travail pour le faire là, oui, pour nous. Comme si, là, nous avons un pile travail pour que de bons résultats, pour résultats tellement évidents, pour permettre que vous oubliez tout vieux acte que nous faisons et qui éternise l'image payante. Et je ne serai pas le seul. Je ne serai pas le seul. Non, là, me dit. Le chef parti politique. Mandat est pour vérité, oui. Mandat débuté, on n'a pas parlé de ça. Madame, je suis la vérité. Oui. Donc, ça veut dire, mon coordination, oui. Jean-Jonas, qui est sur le là, oui. Il y a une vérité là, monsieur. Non, je ne peux pas me souplater à l'élève. C'est pas d'avant. Bon, c'est que son parole est vous dit. Non. Non, mais c'est vous me dites tout le monde. 7 février, son date. 7 février, son date de mémoire que lié. 7 février, son date de recueillement. Son victoire que le théier. Donc je dis à nous pas qu'à prendre victoire ça pour nous passer l'en bas pied. 7 février était exprimé au nouveau départ en 1986. Et bien, je dis à nous en difficulté encore en 2016, on nous fait 7 février tout dans l'autre moment de départ. C'est ensemble pour nous faire. Moi-même pas gagné en plus. Mais par exemple, bon exemple, moi-même je dis à qui arrivait député là. Ça qui fait me plaisir, quand plus jeune garçon tabam dès qu'on a l'ambi, je mange canavé, qu'on a l'ambi, mango avec. Mais je dis à moi, arrivé député, c'est pour yom là tout, oui. Moi là pour yo, moi c'est fierté yo. Donc moi supposé composer avec yo. Et je dis à mon monde, son monde me fait mal dans moi, il fait mal tabac. Son ba mon défi penser faire mal tabac. Moi garantis qu'on passer de très mauvais moments. Donc ça veut dire que nous avons fallu dans l'autre côté, il va tabac. Ah bah oui, on peut penser à attaquer de l'autre côté mais pas tabac. Parce que c'est débuté tabac. Donc c'est pour dire comment nous sommes seule famille. Yeah. Moi même vraiment invité. Non mais ça qui est tout ça positif réussir 7 février. Un homme d'État doit gagner protection de la population, quel que soit côté rivé. Il faut gagner culture, ça. Non, mais il faut gagner. C'est-à-dire que sous rivé Jacques Mel, il faut compte que son député rivé, qu'il a droit à respect et protection. Oui. Même lorsque, en tant qu'homme de médias, il gagne côté leur rivé au respect. Donc, il va là pour homme d'État et tout. Mais homme d'État et agir en responsable. Force pas me doubler. Force pas me doubler. Merci, Wendy. Merci, Caleb de Ramon. Merci. Et j'aime tout là. Nous prenons l'Assemblée nationale. Et je connais le plateau Métropole a toujours été disponible pour moi. Donc, je nous recevons avec fierté jeudi. Je prends le travail pour fierté. Ça a toujours été. Un journaliste pareil, moi. Exactement. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le député Caleb Deramo était avec nous ce matin. Merci de votre intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.